Oh! Aïe, 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 aïe. Oh! Oh! Oh, tout qui se casse là. Oh! Ah! Ah! Je vous ai manqué. Hein. Je vous ai manqué, hein. Nous sommes... Ou plutôt... Je suis... Le samedi 13 mars de l'année 2021. Et d'abord musique. Et dans 3 semaines. Le 4 avril 2021. Philippe Stocker, vous commencez à me connaître, il va avoir, tenez-vous bien, 59 ans. 52 ans. Les imbéciles parlent très bien d'eux-mêmes. Donc, je vais vous parler de moi. J'adore faire ça parce que je suis comme tout le monde, je le sais. Un con, peut-être même le roi des cons. Alors, on va commencer par un document que j'ai toujours sur moi. Et pourquoi j'ai toujours sur moi? Je ne devrais pas parce que... Ah, mais ça, c'est comme Bonaldi. Ah, ça, c'est... Ah, si, je l'ai sur moi. Je croyais que c'était comme Bonaldi. Bonaldi, quand il fait des expériences, foire toujours. Et puis, alors, c'est un document original, comme celui que je vous ai montré l'autre jour, qui était signé Carmen Schenck, cadre supérieur de santé, qui a été établi le 16-9-2011. C'est signé Dr Spener. Sophie. Rino, le 16-9-2011 à 17h. Je soucie Dr Spener à Sophie, certifié avoir vu en consultation. Ce jour, Monsieur Philippe Stocker, né le 4-4-1962, c'était un mercredi, jour du canard. Carte d'identité en 36, l'hôtel de ville 67-861, le patient présente 2 érythèmes semi-circulaires de 5 cm de long sur 1 cm de large au niveau du poignet droit. 2 érythèmes semi-circulaires de 2 cm de long ou 1 cm de large au niveau du poignet gauche. Le patient se plaint de paresthésie remontant du poignet jusqu'au coude du côté gauche. L'examen neurologique, forme motrice et amputée, sensibilité des 2 membres supérieurs est normal, certificat établi à la demande de l'intéressé. Pour faire valoir ce que de droit, c'est signé par ma médecin généraliste, une médecin généraliste, Anne-Sophie Spener, à qui je passe un coucou. Alors, que dire? Sinon que EDF, Bleu Ciel, les psychiatres ont internet. EDF Bleu Ciel a bousillé ma porte le lundi 18 janvier 2021, entre 9h et 11h. À ce jour, toujours pas de réponse, on ne peut pas dire qu'EDF, le ciel, réagisse à la vitesse de la lumière ou à la vitesse d'un photon. D'ailleurs, le photon a-t-il une masse? Musique! Et de continuer. Avant-hier, une société...
Elle s'appelle Hausse Finance de Contentieux, a tenté je ne savais pas. Mais c'est Dominique Michel du syndicat de lutte contre les banksters, les banques, qui me l'a appris. Une tentative d'extorsion de fonds. Ils m'ont appelé, ça fait un moment qu'ils me harcèlent par mail, jamais de courrier, mais j'ai une... Oh là là, dans mes casseroles. Alors ces sociétés de contentieux, j'avais donné l'exemple, par exemple, j'avais fait des crédits revolving pour ouvrir ma boîte Netfin Informatique, que je vais réouvrir très prochainement. Un coucou à Benoît Grunewald de chez ESET de France, à qui j'ai laissé un petit message vocal l'autre jour. Et donc, il y a trop de choses à raconter. Mais quel bordel. Chez moi, là, regardez-moi. Ah, Amical Motor Club de Grasse. Coucou à tous les pilotes de la MC Grasse. Daniel Olivier. Daniel, tu peux m'envoyer prochainement, s'il te plaît, les écussons, parce que ma veste est beau, celle qui a la racolade, et que vous voyez, elle a touché par frottement tous les meilleurs pilotes du monde, Tony Bao sur les photos, Takashi Fujinami, Jeroni Fajardo, un coucou à Raime Busto, officiel Gas Gas, Adam Raga, il m'a loupé, il m'a viré en ami Facebook, tant pis, Alexandre Ferrer aussi, ils ont peur. Ils ont peur par rapport à ce que je diffuse, parce que bon, moi tout ce que je voulais c'est devenir un champion de moto trial. Il se trouve que je suis devenu un lanceur d'alerte totalement par hasard. Musique. Ah, un cigare. Un film, c'est du best. Alors n'oubliez pas, le 4 avril 1960, 2021, je vais avoir 59 ans. Ouais, j'y vais. Eh, dites pas. Quand on me regarde comme ça. Ah, dites pas que. Il a 59 ans, Philippe Sauber. C'est pas possible. Il est resté un enfant. Je suis resté un naïf. Je prends tout à la rigolade. Même que. Ah, j'ai oublié. Ali. Auto-école étoile. Là. Ah. Ah. Il m'a établi un faux contrat de travail. Là. Tout ce que je dis est factuel. Faut rigoler, c'est tout ce qui nous reste. Ah! Ah! Y'a du Bonaldi dans l'air. Lavabo, trottoir, mer, vie de France, caca-poum, caca-poum.